Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility. J'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors avec plein d'infos dedans. Donc, je vais essayer d'être euh, bah, assez rapide pour pas euh, vous prendre euh, un gros bout de temps de votre journée ou soirée, euh, parce que bah, j'ai quelques petites informations à vous dire, euh, petites questions à vous poser, etc. Donc, euh, déjà, alors, euh, j'ai fait une petite pétition euh, ce, ce week-end. Week Qu'est-ce que je dis ce, Cet après-midi, euh, en gros. J'en avais parlé avec euh, pas mal de gens, que ce soit sur Twitter, en jeu, en vrai, que ce soit des, des joueurs, anciens joueurs, amis, euh, des employés de chez Ankama, etc. Et on avait tous trouvé que bah, l'Ankama Convention de 2014 c'était extrêmement bien passé. Euh, et que c'était génial ce genre d'événement. Et donc euh, bah, on s'était dit bah, pourquoi pas écrire euh, une petite pétition, un truc comme ça, pour, pour montrer. Euh, que ça nous intéresse d'en avoir une suivante. Le but de cette euh, petite pétition, c'est pas, pas de dire on veut une ankama convention lol 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 Non, c'est juste de dire euh, on est tous euh, très motivés. S'il y avait un, un genre d'événement, enfin un nouvel événement de ce style, euh, que les joueurs voilà sont sont prêts à faire le déplacement, sont prêts à venir, et que c'était une vraie réussite en 2014, c'est pour voilà, c'est pour amener pourquoi pas une discussion possible ou quelque chose comme ça pour montrer qu'on est motivé, qu'on a envie de faire des événements comme ça. Enfin, je vous le rappelle, euh, moi ça avait été mais vraiment genre un, un séjour extraordinaire que j'avais fait à Lille avec euh, avec toute la bande de Youtubers, euh, vous que j'ai rencontré, le staff d'Ankama. Enfin, c'était vraiment génial et euh, tout le monde avait vraiment tout le monde avait ressenti ça quoi. Enfin voilà, c'est juste pour vous dire que c'est pour euh, juste pour montrer que D'autres gens que moi sont motivés, je le sais, donc voilà, le lien est dans la description, si vous voulez signer, vous pouvez mettre juste une adresse email, vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai nom et prénom, vous pouvez être juste un pseudo, c'est juste pour signer quoi. Euh... Donc en tout cas, euh, merci déjà aux 112 personnes qui ont signé, c'est allé assez vite, mais bon j'en ai parlé juste sur Facebook et, et Twitter, donc c'est pour ça que je fais la vidéo aussi. C'est euh, histoire voilà, de montrer qu'on qu est motivé, si, euh, si jamais ils veulent en faire une autre, en cas de convention, ça veut pas dire qu'il y en aura une forcément, ça veut dire que euh, juste qu'il y a des gens intéressés, et que beaucoup de gens sont intéressés. Voilà, peut-être que ça fera euh, bouger les choses, peut-être que ça fera euh, amener la discussion. Euh, donc, deuxième chose, euh, je voulais par vous parler euh, du stream, donc euh, des streams en général. Donc, euh, la rentrée arrive, euh, vous savez, j'ai cours, c'est plus difficile pour moi de faire des, des vidéos. Je vous l'ai expliqué, etc. Mais ça n'empêche pas le fait que je vais en faire et continuer aussi à faire des streams de temps en temps. Euh, la plateforme YouTube, ça m'énerve clairement pour les pour les lives, c'est pas top. Euh, du coup, je suis en train de voir pour faire euh, pour aller sur une autre plateforme. Alors euh, Twitch, euh, donc il euh, y, y a beaucoup de choix qui s'offrent à moi. Euh, donc je vous dis ce que moi j'ai regardé, ce qu'on m'a dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui m'ont en parlé, parce que moi j'ai demandé autour de moi, j'ai fait une petite demande sur Twitter, etc. Qu'est-ce que les gens pensaient S'ils avaient des propositions. Donc il euh, y a la possibilité donc, de Twitch, euh, toutes les euh, plateformes de stream du style, avec, enfin liées avec Dailymotion, partenaire Dailymotion, comme Eclipsia, euh, The Gaming Room, des trucs comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait Je, Il y avait Millennium que j'ai regardé. Euh, la gaminglive de jeuxvideo.com euh, Alors il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Hitbox qui est euh, assez intéressante parce qu'elle est un petit peu comme Twitch Mais le problème voilà que je parce que j'ai demandé à des gros streamers, et eux ce qu'ils me disaient c'était que par rapport à Twitch, justement, c'était vraiment pour des gens qui streamaient souvent, c'est-à-dire qu'ils allaient faire euh, euh, minimum 3-4 lives par semaine, et c'est pas mon cas, moi je s'en fais euh, en général un par semaine, un ou deux maximum par semaine, et c'est tout, voilà, c'est juste vraiment pour se détendre et tout, euh, sortir un petit peu du contexte de la chaîne, euh, je veux dire directement pour parler avec vous, jouer avec vous, et euh, donc euh, voilà, Twitch c'est pas le. Peut-être pas la meilleure plateforme, donc je suis en train euh, de, de réfléchir. Pour l'instant, euh, ce qui m'intéresserait le plus ce serait plutôt un partenariat avec euh, Dailymotion. Euh... Donc euh, je ne sais pas exactement lequel, je vous tiendrai au courant de toute façon. Voilà, c'était juste pour vous en parler, pour vous dire euh, un petit peu les, les choses. Si vous avez des idées, hein, dites-moi vos conseils. Parce que euh, vraiment... Euh... Enfin... Je suis vraiment ravi que. Quand vous mettez des commentaires constructifs, etc. Euh... Donc, ensuite. Euh, par rapport au panda, alors euh, je sais que ça fait quelques jours que j'ai pas fait euh, justement de vidéo sur lui, c'est que j'ai pas trop eu le temps, encore une fois c'est par rapport au cours. Je voulais vous dire que je suis en train de lui préparer en ce moment un stuff, donc euh, même deux stuff mono-éléments les deux, euh, et un euh, multi, donc euh, bi-éléments. Le problème c'est que j'arrive pas à trouver les exos etc, donc ça, il me faudra un petit peu de temps pour, euh, pour arriver à choper le stuff. Ça n'empêche pas que je vais continuer en mode multi, c'est juste que je vous dis qu'il y aura des... Euh, un peu, un, un peu encore de quelques combats où je serai que en multi Et une fois que j'aurai les stuff mono On pourra jouer, enfin je pourrai jouer là dessus Et vous pourrez voir ça euh, Donc mais je vous montrerai les éléments directement Je vous présenterai aussi euh, le stuff multi éléments euh, Donc voilà toujours 154 C'est toujours agréable à jouer Je fais un petit peu de coliseum de mon côté euh, Tout seul soit avec Rarambar euh, Avec son SRAM donc euh, roublard panda mais c'est vraiment vachement intéressant comme synergie Donc voilà euh, donc, il y avait ça que je voulais vous dire par rapport aussi à la refonte euh, FECA euh, Donc, les vidéos euh, élémentaires, donc par chaque élément, arrivent. Ne vous inquiétez pas. Le seul truc, c'est qu'il faut que bah, moi je me renseigne vraiment bien. Euh, bah, c'est sûr que je connais bien le mode terre euh, et un peu le mode feu, mais j'ai pas exploré encore toutes les possibilités du mode O et R. Donc, je veux vraiment euh, ne pas vous dire de, de conneries. Donc, en fait, je vais faire une vidéo par élément pour la refonte 2.23. Et pour ceux qui demandaient, euh, oui, bien sûr que je vais continuer à garder le, le fait comme personnage principal mais ça n'empêche pas que je continuerai le roublard euh, enfin la roublard et je continuerai le panda voilà euh, autre chose aussi euh, par rapport à la vidéo donc j'avais sorti pour les 60 000 abonnés euh, l'hymne euh, donc comme un yop euh, je voulais vraiment vous dire merci, un énorme merci. C'était vraiment genre, euh, je me suis dit un soir, allez, j'ai envie de faire cette chanson. Je suis sûr que ça peut faire rire des gens, des gens qui sont dans le même délire que moi euh, de, de l'humour. Et vous avez été plus de 2000 à aimer la vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir. Euh, ouais, c'était vraiment, je sais que je chante mal. Et il euh, y en a même qui m'ont dit, voilà, que, que je devais aller euh, <laughs> à The Voice pour rigoler, hein, bien sûr. Mais ça m'a bien fait rire. Enfin, il y a eu beaucoup de discussions autour de ça et tout. Vous avez été beaucoup à commenter. Euh, donc ça m'a fait extrêmement plaisir, voilà, je voulais vous dire merci, merci d'être toujours aussi nombreux, ça me fait extrêmement plaisir comme d'habitude. C'est euh, top quoi, c'est vraiment cool. Euh, autre chose par rapport au, au FEKA, euh, comme je vais continuer donc euh, les ornements, etc. Il y a en fait aussi je voulais parler par rapport à la refonte. La refonte euh, sortira le 20... Euh, il me semble 23 septembre, elle a été repoussée d'une semaine. Ça devait être le 16 septembre et maintenant c'est le 23. Et euh, il faut savoir que, euh, que y aura beaucoup plus de difficultés à faire certains donjons. Donc je vais essayer de faire bah, des duotages, des trucs comme ça maintenant. Euh, le problème voilà c'est aussi que j'ai mes cours, que j'ai pas forcément euh, trop le temps. Donc voilà. Euh, je vous prépare aussi autre chose par rapport au stream euh, avec euh, genre euh, 1080p etc. Parce que ma nouvelle connexion est là. Euh, avec donc euh, euh, la fibre optique que j'ai maintenant, donc ce sera beaucoup plus simple que ce soit pour uploader les vidéos, etc. Parce que moi j'avais la DSLV2, euh, donc euh, voilà, pour euh, uploader, pour streamer, ce sera beaucoup plus intéressant. Euh, donc voilà. Euh, en tout cas, bah, c'était les, les plus grandes informations, on va dire, que j'avais à vous dire, c'était ça. Merci à vous d'avoir... Euh Écoutez donc euh, ces quelques mots. Merci à vous de me suivre euh, tous les jours comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous aime. Bye bye.